Salut à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. On va prendre l'avion direction les États-Unis, le Colorado, la NBA, les Denver Nuggets. On se retrouve épisode 3 donc de cette série. C'est aussi le premier épisode de la saison 2 et donc vous aurez aujourd'hui eh bien un portrait complet de l'équipe du roster qui va défendre les couleurs des Nuggets en cette saison numéro 2 du projet. L'objectif, je le rappelle à ceux qui n'auraient pas été là, sacrilège, rattraper votre retard lors de la saison numéro 1, faire des Denver Nuggets un authentique contender, idéalement une équipe titrée en NBA pour la première fois de son histoire. Ça ne s'est encore jamais produit. Et donc, eh bien, vous aurez tous les moves de l'été, mes impressions évidemment sur eh bien, ce qu'on a déjà fait, sur ce qu'on va faire. On est après une vingtaine de matchs dans cette saison 2 parce que je tenais évidemment à vous parler un petit peu de l'équilibre offensif, des stats, etc., etc. C'est un peu plus facile après quelques matchs pour éviter les conclusions hâtives. Hashtag trash talk. Donc voilà, le moment me semble à peu près parfait et donc eh bien on va revenir à tout cela par le menu. Je vous ferai également un petit focus sur ce qu'il s'est passé ailleurs, sur l'état des effectifs des autres franchises, parce que tout simplement il est important que vous ayez une vraie belle idée de comment les autres rosters évoluent. On sait que la NBA est un championnat très dynamique et donc eh bien les équilibres peuvent varier au gré des agents libres, au gré d'une ou deux signatures ou d'une concentration de stars. Donc, eh bien, on va reprendre tout cela ensemble. On va commencer, eh bien, sans transition, par évidemment le petit retour en arrière. On s'était quitté, nous, eh bien, en fin de saison dernière, avec une très grosse hein, saison régulière, 65 victoires, 17 défaites. On s'était quitté ensuite en playoff sur, allez, une petite déception, la défaite en demi-finale à l'Ouest contre des Warriors et surtout un Stephen Curry qui était complètement en feu. Et donc on avait dit en fin de saison dernière, eh bien, essayez d'avoir un peu plus de défense, peut-être notamment au poste 1. Vous verrez qu'on a été complètement à l'opposé. Mais voilà, il faut aussi faire avec les opportunités qui se présentent. Un peu plus de défense, un peu plus de tir également. Vous savez que c'est une constante dans un peu l'identité que je prône en matière de basket, hein, que ce soit basket US ou basket européen. Beaucoup de tirs à 3 points. Donc voilà, défense, tir extérieur et puis du physique pour bien entourer ce diable de Nikola Jokic qui, je vous le rappelle, eh bien, est venu enchaîner un deuxième titre de MVP de saison régulière. Eh bien, c'est ici, pourquoi pas viser le troisième, même si, allez, on est reparti concernant Jokic sur un train, sans vous spoil, on est reparti sur un train peut-être un petit peu plus modeste en ce début de saison 3, même si ça reste complètement monstrueux, vous le voyez, hein, 28,2 points, 7,1 passes par match, 9 rebonds. Voilà, Jokic est toujours là, mais vous le verrez, un peu à l'image de l'équipe, le registre a un peu évolué. On va voir ensemble le roster et puis on va décliner ça ensuite avec les arrivées. La première chose de laquelle vous parlez, eh bien, c'est de la draft. Vous le savez, on avait le meilleur bilan de NBA, ça veut dire aussi qu'on avait au premier tour, eh bien, le 30e et dernier choix du premier tour. Eh bien, on s'est servi des deuxièmes tours pour monter. Pour monter, comment? Eh bien, c'est extrêmement simple. On est monté en faisant un trade, donc en envoyant le pick 2022, donc de Denver, le nôtre, avec celui de 2024, deuxième tour pour vers les Warriors, donc qui nous a en échange filé leur premier tour. Ça nous faisait monter, je crois, de 30 à 23. Et ensuite, eh bien, on a fait exactement la même chose. On a envoyé ce choix 23, donc de Denver à New York, choix 17, en adjoignant le deuxième tour de draft 2022, donc que nous avions. Ça veut dire qu'au final, avec ces deux petits sauts de puce, on a drafté donc en position 17 et mon choix en position 17 a été, je dirais, le non pas peut-être pas le meilleur joueur disponible, mais en tous les cas le joueur le plus talentueux disponible, ce qui m'a envoyé vers ce garçon Petar Tsankov, un meneur bulgare petit, hein, petit, puisqu'il il fait 6-1. Alors 6-1 en taille américaine, je pense qu'on doit être pas très loin du 1,85 m, je crois.
On va dire que oui. Je crois que c'est 1m85, 6-1, puisque 6-2 doit être 1,88 ou 1,89. Je pense que c'est ça. On va dire 6-2, 1,88, 6-1, 85. On part là-dessus. En tout cas, un meneur de petite taille, qui est plutôt, vous le voyez, un joueur qui va distribuer le jeu, mais pas que. Mais pas que. Il y a seulement, entre guillemets, 65 au tir intérieur, 74 au tir extérieur. Mais voilà, on a 77 en handle, on a 78 en passe. Au final, c'est un bon passeur, c'est un bon manieur de ballon qui va plutôt driver, qui finalement est pas si loin de ce qu'était Monty Morris, même si Morris était beaucoup, beaucoup plus adroit. Mais quoi qu'il en soit, on a un garçon qui a beaucoup de talent et qui était l'an dernier en Europe, je crois, si les stats me reviennent en tête, il était à 24 points et presque 10 passes. Donc voilà, un vrai talent offensif. Et c'est l'arrivée de Tsankov, eh bien, qui a, vous le verrez aussi, envoyé Maurice donc vers la sortie, vers le trade. Et vous verrez donc par quoi est-ce qu'il a été, par qui il a été remplacé. Le premier move, donc, c'était, enfin le deuxième move, c'était donc l'arrivée de Tsankov. Évidemment, c'est un regen. Je n'ai pas de vidéo à vous montrer, donc il faudra faire sans. Mais évidemment, l'arrivée de Tsankov vient donner une tonalité certaine à l'équipe, et ça voulait dire donc départ de Monty Morris, et donc un joueur qui eh bien, était très offensif. Ça explique la première, enfin une des signatures donc, de cet été au poste de meneur, c'est l'arrivée de Gary Payton Jr. Si vous vous rappelez, si vous avez regardé l'épisode 2, eh bien, Payton Jr. nous a mis quand même une belle misère lors des playoffs. Je voulais. Voilà, il m'a tapé dans l'œil, aussi bien IRL qu'in-game. Et donc, j'ai trouvé hyper intéressant d'avoir ce garçon-là, donc, qui peut couvrir les postes 1 et 2, en mode, eh bien, simplement chien de garde, prendre le meilleur attaquant de la base arrière adverse, et puis essayer de le museler. J'aime également l'énergie, l'enthousiasme, la fraîcheur de ce garçon. Et voilà, ça explique donc son arrivée. C'est une signature qui est libre, hein. Il était agent libre. Donc deux saisons entre 2 millions et 2 millions 2 de dollars. Donc je pense qu'on a fait là une excellente, excellente opération, et que ça donne au poste 1 eh bien, une dimension qu'il n'allait pas, avec bien sûr Jamal Murray qui sera toujours là, qui est toujours là, et puis donc Tsankov en deuxième option, et puis on aura Payton donc qui sera là en chien de garde, soit au poste 1, soit au poste 2. Allez, j'ai une petite vidéo pour vous de Payton Junior, la voici, et finalement je pense que ce sera un très bon résumé hein, de ses qualités de jumper, de ses qualités également de défenseur. J'aime vraiment, vraiment beaucoup ce joueur hein, qui est le numéro 0 que vous voyez aussi aller au lay-up, au quasi-dunk. Donc voilà, hein, il est actuellement IRL aux Warriors et c'est vrai que ça fait partie des joueurs qui se sont révélés cette saison. Donc IRL, là on est, au moment où je tourne, on est à la mi-janvier. Donc vous aurez ça très bientôt, de toute façon quelques jours avant, mais voilà, vous aurez ça très bientôt. Donc écoutez. C'est vraiment un garçon que je trouve assez remarquable. Et donc, ça offre à l'équipe eh bien, une profondeur qu'elle n'avait pas. Tant qu'on est sur les recrues, je vais faire ça chronologique. Vous savez que j'avais un problème, entre guillemets, avec Michael Porter Junior. Eh bien, Michael Porter Junior est parti. Il avait fait une belle saison hein, l'an dernier. Et surtout, il avait eu le bon goût de ne pas se blesser. Donc, les franchises étaient assez enthousiasmées par sa saison et son potentiel. Et regardez, hein, il est parti à Boston, et regardez les stats d'ailleurs, ils ont bien fait 23,7 points, 1,7 passes, 6,8 rebonds, et puis les pourcentages, eh bien, eux sont toujours là, 51,7% au tir, 47,7 à 3 points, vu le volume, c'est monstrueux. Alors, la complémentarité avec Tatum, c'est autre chose, mais en tous les cas, voilà. Je pense que c'est un win-win, ce trade. Et donc, Porter Junior est parti contre, eh bien, Jaylen Brown, donc, qui est donc, eh bien, le nouveau joueur des Warriors, pff, des Nuggets. Je suis à la masse, je pensais encore à Payton et aux Warriors. Et ma foi, profil évidemment assez différent au poste 3, hein, puisqu'il va jouer, il joue poste 3 aux Nuggets, un profil qui va être un peu moins porté vers l'intérieur, puisque Porter Junior est plutôt un 3-4. Un 3-4, clairement, Brown est un 3-2. Donc voilà, on met un petit cran ou deux vers l'arrière. On est perdant, je pense, au niveau du talent brut, au niveau de la taille, au niveau du rebond.
On est gagnant sur le tir, on est gagnant surtout sur la défense, sur la vitesse également, et je pense que sur la régularité et le physique, surtout à plus long terme, eh bien, on est également gagnant là aussi petite voilà pour ceux qui ne connaîtraient pas très bien la NBA. Alors après, comme d'habitude, hein, je vous montre un gros match pour que vous voyez un petit peu le joueur dans ses meilleures conditions. C'est le numéro 7 hein, que vous voyez ici avec la beubard, et c'est un joueur que je kiffe, que je surkiffe, parce que pour moi, il a absolument tout. De l'arrière-ailier parfait, le scoring, la défense, vraiment la polyvalence, que ce soit offensive, défensive. Et dans cette équipe de Denver où on a besoin eh bien, de cacher Jokic, eh bien, le plus on a autour de joueurs capables eh bien, d'être efficaces des deux côtés du terrain, eh bien, le mieux c'est. Et donc voilà, on a un garçon qui est capable eh bien, de pull-up, qui est capable de passer derrière les écrans, qui est capable de driver, de finir près du cercle en force. Bref, on a vraiment un super arrière, enfin super 2-3, 3-2. La seule question, c'est à quel point est-ce que l'articulation avec Jamal Murray au poste 1 eh bien, se fera, à quel point elle se fera bien, puisque Murray est quand même un meneur, mais qui est quand même, qui a un jeu quand même de scoreur, qui est très porté quand même vers le cercle et vers le tir. Est-ce que voilà, est-ce qu'on n'aura pas un peu trop de talent offensif pour eh bien, que les deux s'expriment sur les lignes arrière valablement? On verra ça. On n'en est pas là, mais en tous les cas, je suis vraiment très très heureux de regardez, hein, la finesse, la feinte, l'intelligence sur ce move offensif. Donc voilà, Brown est la troisième, est devenue la, même à mon avis, deuxième option à terme de ces Nuggets. L'an dernier, eh bien, il était à 23,2 points, 50% au tir. À 3 points, c'est ultra bien aussi. Hein, il est à 41,4. Au niveau du rebond, 5,1. La passe, 3,8. Je pense qu'on est aussi gagnant à la passe, hein, puisqu'on sait que Porter Junior n'est pas vraiment un passeur élite. Donc voilà, on a un peu changé avec cette arrivée le profil de l'équipe. Ça va peut-être pas forcément. Dans le sens du rebond, parce qu'on avait aussi des difficultés au rebond l'an dernier, si vous vous rappelez. Mais en tous les cas, il fallait faire un choix. J'ai fait celui de la défense, et on aura donc un Big Three cette saison qui sera composé de Nikola Jokic, évidemment, toujours le MVP. La deuxième option sera logiquement Jaylen Brown, et donc la troisième sera Jamal Murray, qui fait un mauvais début de saison. Mais allez, je pense que ça va revenir assez vite, et si ça n'était pas le cas, eh bien on devrait peut-être penser à un profil un peu plus gestionnaire, un peu plus passeur, mais en tous les cas, nous en sommes pas là. Une fois ce Big Three construit, eh bien on devait un peu penser au reste, avec quand même des devoirs à faire. Et si vous vous rappelez, on avait deux dossiers à régler, les dossiers Aaron Gordon et Brandon Clark. Eh bien là-dessus, on est un peu sur du status quo, parce que simplement le contrat d'Aaron Gordon à l'heure actuelle, eh bien, il est quasiment intransférable. Parce que 7 points, parce que 3,6 rebonds, parce que 1,7 passes, et que pour un garçon qui est payé actuellement presque 20 millions de dollars et qui va aller jusqu'à 23, quasiment, eh bien, c'est dur à bouger. Donc Gordon est encore dans l'effectif. Et donc, n'ayant pu vraiment le bouger, je pense qu'on s'achemine. Soit on va vers deux choses. Soit eh bien, Brandon Clark, qui est un peu exigeant en termes d'extension, il veut 17 millions 7%. Donc ça veut dire que voilà, on va être entre 17 et 21 millions l'année pour un garçon qui est très efficace des deux côtés du terrain, mais surtout défensivement, hein, 10,1 points, 7 rebonds. Voilà, c'est un parfait joueur pour aller à côté de Jokic. Mais est-ce que c'est un joueur qui pour autant vaut 20 millions? Je pense pas non plus. Donc on aura sûrement un choix difficile à faire. Soit on fera un pack avec donc Aaron Gordon et son gros salaire, Clark avec son petit, pour essayer d'avoir un garçon talentueux, quitte à mettre un pic de plus, qui pourrait donc prendre la place. Soit on va eh bien, essayer de transférer Gordon à la deadline. Vous pouvez être sûr que quoi qu'il arrive, il sera plus là à la deadline de toute façon. Soit le transférer pour avoir un contrat finissant à la place de ces 4 saisons de contrat, pour libérer du cap. Et dans ce cas-là, eh bien, on prolongerait Clark à ce tarif pas super, mais en tous les cas qui serait compensé par le départ de Gordon, donc avec ce trade et donc un contrat finissant pour équilibrer un peu la masse salariale. Donc voilà, soit un package avec les deux, soit Gordon qui part entre guillemets contre du finissant et Clark prolongé. C'est un peu le dilemme, mais ça nous résout également le problème
au niveau du poste 4, puisque donc Gordon sera deuxième option, Clark toujours titulaire. Et on aura le retour de Bol Bol que j'ai re-signé une saison seulement. Il a été laissé libre après une saison, comme je l'avais un peu prédit, insignifiante du côté de Houston. Il n'a pas joué, hein, il s'est trouvé au Rio Grande Valley, donc, où il a mis 7,5 points, 7 rebonds et une passe. Donc voilà, assez faiblard comme rendement. Pas de tir à 3 points non plus. Donc voilà, on est complet au poste 4. Et puis, tant qu'on y est, poste 5, eh bien, Nikola Jokic est toujours là. Daniel Theis est toujours là lui aussi malgré une saison l'an dernier qui a été très mitigée. Il termine à 5,4 points, 2,9 rebonds, à 42% au tir et à 3 points 23. Donc voilà, pas top. Et on est reparti hein, à peu près dans ces eaux-là. Alors en playoff, on l'a vu faire une ou deux belles sorties, mais c'est vrai que vu le salaire, lui aussi, il est un peu dans le clan Gordon, un peu surpayé par rapport à sa production, même si je pense toujours que c'est plutôt complémentaire. Est arrivé au poste 5, donc derrière Jokic et derrière Theis, eh bien Mike Muscala, qui est donc lui aussi arrivé libre, signé pour 2 saisons, donc 5 millions sur 2 saisons. Il était l'an dernier donc à OKC avec 3,9 points, 1,7 rebonds, pardon, pas de passe, 49,9, virgule rien au tir, 36,7 à 3 points. Voilà, parce que je voulais, à côté de Theis et de Jokic, eh bien, je voulais du hustle, tout simplement, la capacité un petit peu à batailler. C'est un joueur qui a également un tir de loin tout à fait respectable. Et ça compte, hein, ça compte, hein, puisque vous le savez, hein, on part sur un poste 5 avec Jokic, très efficace offensivement. C'est mieux si on a en rotation eh bien, des Theis, des Muscala, des joueurs qui vont se battre, qui vont être durs au mal en complémentarité de Jokic, mais qui vont être aussi capables de mettre des paniers, que ce soit de près, que ce soit de loin. Et c'est vrai que Theis et Muscala sont des joueurs qui sont tous les deux limités à des degrés différents. Regardez le tir à 3 points qui est plutôt fluide hein, pour un garçon de sa taille. Donc voilà, des garçons qui ont leurs limites, mais qui sont quand même capables de faire très très bien, je crois, en relais d'un Jokic, et qui surtout, encore une fois, vont vraiment amener de la lutte. Donc voilà, Muscala, autre arrivée, entre guillemets, gratuite, donc, de cet été. On en arrive donc, on a bouclé le poste 1, on a bouclé le poste 5, on a bouclé le poste 4, et eh bien il va, sachant qu'on a commencé avec Brown le poste 3, on va le terminer, puisque eh bien, est arrivé dans l'équipe eh bien Derrick Jones Jr., autre arrivé donc sans contrat. Alors pour ceux qui. Alors qu'on va mettre tout de suite la vidéo, c'est un joueur assez peu connu finalement. Pour ceux donc voilà, qui connaîtraient assez peu le basket et qui seraient surtout issus du foot, hein, puisque je pense que la chaîne est beaucoup regardée par des gens qui viennent de Football Manager, alors que Jones Junior, c'est le numéro 5 sur ces vidéos-là. Donc voilà, c'est un poste 3 qui est 3 peut-être 4, bref, 3, allez. 3 qui est élancé, très 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 athlétique, qui monte au dunk, hein, qui est un très très gros dunker, mais qui est capable surtout, de par ses qualités athlétiques, de très très bien défendre, de prendre du rebond, etc. Qui va être lui aussi dans la dureté, dans la lutte, etc. etc. Là encore, en complémentarité avec Jokic. Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais donc Jones Junior, blabla. Oui, les contrats. Il arrive gratuit, mais parce que c'est courant en NBA, c'est une arrivée gratuite n'est pas comme en foot, où vous allez pouvoir monnayer le joueur gratuit ensuite. Vous pourrez peut-être le faire parfois au niveau en faisant des trades, mais globalement, c'est monnaie courante hein, sur des joueurs, des role players, ce qu'on appelle des joueurs d'appoint, eh bien qu'ils puissent arriver pour des contrats minimums ou des contrats relativement modiques, eh bien dans des équipes comme ça qui espèrent, qui aspirent être des contenders, qui arrivent gratuits. Donc voilà, ce sont des petits joueurs gratuits. Ce que j'apprécie dans les joueurs gratuits qui sont arrivés aux Nuggets, c'est pas tellement le fait qu'ils soient gratuits, c'est que les profils me semblent en tout cas très complémentaires avec le reste de l'équipe et le noyau. Ça, c'est très très bien. Après, est-ce que c'est des très bonnes opérations de signer ces garçons-là? Non, ce sont des bonnes opérations à cause des profils, mais après, ça ne donne pas d'avantage. Regardez le dunk, les qualités athlétiques, ça c'est incroyable. Après, non, ce ne sont pas des avantages décisifs, comme peut l'être une bonne signature gratuite en foot, que vous allez reprendre 15 millions. Non, là, en NBA, c'est vraiment la normalité. Et chez les role players, il y a tous les ans une grosse rotation donc au niveau de ces gars-là. Donc voilà, avec donc Jones Junior au poste 3, on amène de la défense, on amène un côté
athlétique, du hustle, exactement comme pour Muscala par exemple. Voilà, et un garçon qui va apporter, comme le dernier dont on va parler, Bobby Portis, vous verrez ça tout à l'heure. On apporte, voilà, de l'énergie en sortie de banc pour éviter parfois, eh bien, le léger renoncement qu'on a pu voir dans l'équipe quand elle était menée ou en difficulté. Hein, c'est arrivé un peu en playoff contre les Warriors. Donc je voulais vraiment beaucoup plus de dynamisme pour, eh bien, conserver l'allant qu'on peut acquérir parfois avec les joueurs qui avec le noyau de joueurs, donc, et notamment le 5 majeur. Donc voilà, on a Jones Junior. Gary Harris est arrivé. Alors, j'ai pas pris de vidéo parce que c'est un vétéran qui, je pense, est relativement connu. C'est un poste 2-3 qui est un très bon défenseur, un très bon shooter. Un argument plutôt défensif qui était à Orlando la saison dernière et qui, donc, 13,3 minutes de temps de jeu, 4,6 points, 1,9 rebonds, 40,2% au tir. C'est juste, c'est un peu faible par rapport à sa carrière notamment. 38,5% à 3 points. Voilà, il va jouer et défendre sur les postes 2 et 3. Et ce sera parfait donc en rotation de Desmond Bane et de Bones Highland qui sera toujours là. Même s'il n'a pas fait une saison incroyable, hein, la saison dernière, il a peu joué. Et quand il a joué, je peux pas vraiment dire que ça a été fou. Ma grosse déception avec Highland, c'est que voilà, il y a une étoile de progression qui est censée être là. Et pour l'instant, eh bien, je n'ai pas vu. Il y a du talent offensif, mais pour l'instant, eh bien, ça peine un petit peu à sortir. Mais voilà, il aura un an de plus. Et puis, vu son tarif, eh bien, on pourra, je pense, lui donner sa chance sur une, deux saisons de plus, eh bien, sans trop craindre. Voilà donc pour le poste 2 qui, pour moi, et le poste le plus peut-être le plus fragile de cette équipe au niveau du talent pur, hein. Bane, Harris Island, voilà, ça fait pas forcément rêver, surtout quand on regarde un petit peu ce qu'on a aux autres postes. Il reste un poste, si vous avez noté, dont on n'a pas beaucoup parlé, pas complètement parlé. Donc c'est le poste 4, avec donc Clark qui sera toujours là en titu, Bol Bol qui sera, eh bien, en troisième rideau. On n'a pas parlé du deuxième rideau, qui sera sûrement le deuxième rideau. En poste 4 et en poste 5, c'est Bobby Portis qui jouait à Milwaukee la saison dernière pour, eh bien, des stats plutôt pas mal, hein. 13,5 points, 6,1 rebonds, pas de passe, 49,6% au tir, 45,3 à 3 points, ce qui est absolument monstrueux pour un poste 4-5. Donc voilà, très heureux d'accueillir Portis, hein, qui s'était illustré il y a quelques années en collant, quand il était au Bulls, je crois, un pain phénoménal. Ah, je crois, c'était qui son pivot au Bulls? C'était qui? C'était qui? C'était qui? Je crois que c'était un joueur slave, mais je sais plus qui. Je sais plus qui. En tous les cas, voilà, bataille à l'entraînement, joueur qui a une sale réputation hors des terrains, mais sur le terrain, on reste dans la veine du hustle, de l'énergie, capable de mettre des points, même si en début de saison, c'est plus compliqué, vous le voyez, parce que moins de ballons, tout simplement, moins de temps de jeu qu'à Milwaukee. Mais voilà, je voulais vraiment, sans perdre le tir de loin, je voulais du rebond, je voulais de l'énergie, de la défense, de l'enthousiasme, de la volonté également d'aller chercher ce putain de titre. Et donc, voilà, les joueurs qui sont arrivés à l'image d'un Portis, hein, j'ai quelques petites choses pour vous, pour Bobby Portis aussi. Dernier extrait donc de cette vidéo de présentation. Et voilà, après il faut aimer, vous voyez, capable de tirer à 3 points avec un geste assez que je trouve assez là aussi assez fluide, hein, pour un joueur de sa taille. Et puis regardez, hein, ce regard d'obsédé, il a un regard de dingue, Bobby Portis. Mais voilà, ça sent, c'est des joueurs que j'aime, ça sent la hargne, le joueur qui va se défoncer, la motivation, l'enthousiasme, etc., etc. Et quand vous voulez une équipe que vous aimeriez, hein, et regardez le toucher là-dessus, le turnaround. Et voilà, il faut obligatoirement des garçons qui vont se défoncer à 200%. Et je pense que globalement, les gars qui sont arrivés répondent vraiment à cette définition-là. Des garçons qui ont sorti de banc, eh bien, évidemment, ont leurs propres limites, hein, c'est valable pour tous, mais qui vont être capables d'apporter vraiment des choses qui vont maintenir l'équipe à flot sur la base du 5 de départ qui devra évidemment faire la différence. Mais en tous les cas,
Je crois qu'on a une équipe qui est beaucoup plus intéressante que celle de l'an dernier, notamment par sa complémentarité, par, je pense aussi, l'intelligence de la construction. Alors, je dis pas que ce que j'ai fait est nécessairement ultra intelligent. Dans tous les cas, c'est beaucoup plus complémentaire, c'est beaucoup mieux pensé, parce que l'an dernier, eh bien, en arrivant, j'allais forcément pas casser toute l'équipe. Donc voilà, on est sur une saison 2, construction un peu plus aboutie. Est-ce que pour autant l'équipe est plus talentueuse que l'an dernier? Eh bien, écoutez, je ne pense pas. Elle n'est pas plus talentueuse, mais encore une fois, elle est plus complémentaire, plus efficace, je pense, plus intelligente. C'est pas ce que dit le, ce que disent les premiers résultats. On est pour l'instant, alors on est toujours leader à l'Ouest, mais parce que c'est un mouchoir de poche. Entre le premier et le sixième, il y a deux matchs, donc ça n'est pas encore révélateur. On est pour l'instant donc leader à l'Ouest avec un bilan de 13 victoires pour 7 défaites. Alors pour mémoire, on a dû terminer l'an dernier avec 65-17. Je pense que ça devait faire plus ou moins 60-75% de victoires, peut-être un peu plus, peut-être plus 80, un peu moins de 80, je dirais. Donc voilà, là on a 65, on est en recul, mais voilà, on a eu quelques blessures, c'est encore un petit peu difficile au niveau de la cohésion, donc on va laisser du temps à l'équipe. On verra comment on règle le cas Clark, Gordon, etc. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis plutôt content de ces débuts, mais j'attends plus. J'attends plus. En clair, si on reste à ce niveau, ce sera une grosse déception, mais je pense toujours qu'on va être capable d'aller beaucoup plus loin. À l'Est, eh bien, il y a trois équipes qui font mieux que nous. Les Nets, les Bucks, les 76ers et les Raptors. Donc voilà, on est pour l'instant, si on met, on rapporte tout ça à l'échelle de la Ligue, on est pour l'instant cinquième équipe. Cinquième bilan NBA. Écoutez, hein, c'est toujours très bien. Donc voilà, on verra où on en est dans quelques matchs. Nous, je pense qu'on se reverra en fin de saison régulière. Donc on a tout le temps de progresser. Mais voilà, je suis quand même globalement plutôt content des travaux faits, parce qu'encore une fois, voilà, je pense que le potentiel est un peu, enfin, en tout cas, l'avenir de cette équipe-là est beaucoup plus, en termes de régularité, est beaucoup plus sûr. J'avais un petit truc également à vous montrer, c'est ça. Comme vous le savez, je suis un homme de chiffres, que ce soit sur FM ou quoi, eh bien, je vous ai préparé un petit, donc un insight avec toutes tous les classements de l'équipe, catégorie stats, pas catégorie stats. Et mon point de comparaison que vous voyez, eh bien, en bas à droite de l'écran, c'est la situation en fin de saison par rapport à la saison dernière. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que, bon, début de saison décevant oblige, on est un peu en recul sur certaines catégories de stats. C'est le cas au niveau des points par match. On était 3e attaque, on est 9e attaque. Au niveau de la défense, on est exactement au même niveau, même si on était 6e, on est 9e, mais on est toujours à 103,4 points concédés. Ce qui me fait plaisir, bon, on a toujours au contre le même problème qu'on avait avant, mais par contre, on a progressé au niveau de la tenue de balle, donc du collectif. On était 11e équipe au niveau des passes d'aise, on est 3e équipe maintenant. Ça veut dire que voilà, on a gagné plus ou moins 2 passes par match, ce qui est beaucoup. Et surtout, on est 2e meilleure équipe au niveau des interceptions. Et on était 18e. Et ça, je pense que c'est l'effet direct de l'arrivée des joueurs dont je vous ai parlé, avec du hustle, de la lutte, avec du physique, de la défense, plus de défense. Et donc, je pense qu'à l'extérieur, la ligne extérieure, on défend mieux sur l'homme qu'on ne l'a jamais fait dans cette aventure. Par contre, on a toujours le défaut au contre. On était 23e, on est 29e. Voilà, je pense qu'on est tellement bas que ça n'est même plus révélateur. On est en baisse au niveau du jeu offensif du collectif. Ça se traduit au niveau des pourcentages, hein. On était premier au niveau de l'adresse, aussi bien au niveau du tir à 3 points que du tir général. On est 5e et 13e. Là aussi, je pense que ça manque un peu de rythme. On verra ça en fin de saison. Et puis, offensive rating, on était premier, on est 10e, mais je pense que ça va. On est 8e, pardon. Je pense que ça va avec l'adresse. On est toujours 11e defensive rating. Je pense que là aussi, ça va aller, je l'espère, avec la cohésion et le collectif, ça va aller en allant de mieux en mieux. À suivre, on fera le même comparo en fin de saison, et puis je pense que là, eh bien, on saura beaucoup plus où nous en sommes. Avant de se quitter, on va faire plus court, hein, que la fois dernière, on était à presque 1 heure. Après, voilà, je pense que je serai plus long en fin de saison, mais là, voilà, une demi-heure, c'est pas mal.
Les stats de ce début de saison, eh bien, Jokic est toujours meilleur marqueur de l'équipe avec 28,2 points. Il y a un peu de recul hein, avec l'an dernier, puisqu'il était, je crois, au-dessus des 30 points. On était voilà, 30,3. Ça se traduit quasiment uniquement au niveau de l'adresse, hein, puisqu'il était à 51, il est 48,3. Je pense qu'avec plus d'adresse, eh bien, on retrouvera les stats de Jokic. Brown, deuxième meilleur marqueur, donc avec 18,8 points par match, 5,4 rebonds, 4,5 passes. Hein, je pense que le up en passe, c'est beaucoup Jaylen Brown par rapport à Porter Junior. 51,2% au tir, 38,6 à 3 points. J'aimerais bien un petit up de Brown à 3 points. Murray est un peu décevant pour l'instant. 14,6 points à 44,2%, 46,2 à 3 points. Là aussi, hein, on est en rodage. Il était l'an dernier à 49,1% au tir, dont 45,1 à 3 points. Ouais, c'est mieux cette saison à 3 points par contre. Mais c'est vrai que c'est plus dur, hein, il est en difficulté dans la raquette. Donc c'est assez étonnant, ce sera à surveiller, à comprendre pour l'instant. Bon, à voir, peut-être juste un mauvais début de saison. On a Clark donc derrière à 10 points. Je pense que les stats sont très similaires à l'an dernier. Voilà, c'est ça. Un peu plus de rebonds, un peu moins de passes. En adresse, eh bien, c'est encore pire à 3 points. C'est à peu près identique au global. Desmond Bane, 9,3 points. Si on compare, il marque un petit peu plus. Avec une adresse phénoménale, 53% au tir, 56,3 à 3 points, c'est tellement haut que ça ne durera pas. Et donc on a Portis qui est arrivé récemment, pas vraiment de comparo, hein, il arrive juste 7,3 points, 3,8 rebonds. Gordon qui est en faillite complète. On a Payton Junior dont j'aime beaucoup les débuts, hein, 6 points, 2,9 rebonds et l'adresse est plutôt très bien. Il est à 61% au tir. Là aussi, ça ne durera pas, mais c'est très très bien. 47,6% à 3 points. Derrick Jones Jr. après, ce sont des joueurs de rotation qui prennent les miettes et qui défendent fort. C'est vrai que voilà, c'est pas des garçons dont les stats sont très révélatrices. Hein, même si Jones Jr. j'aime beaucoup le garçon. Tsankov, les débuts de Petar Tsankov, 4,5 points, 3,5 passes décisives, 1,6 rebonds. Ce qui est décevant, c'est plutôt l'adresse. Il est à 28% au tir, 57,1 au lancer, 24,5 au tir. Pour l'instant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le costume est un peu large pour lui encore. Il y a très peu d'endroits, quand on regarde la map à droite, où il est efficace régulier. Voilà, on va lui laisser un petit peu de temps. Mais rien d'alarmant encore, mais c'est vrai que j'attends beaucoup mieux de lui. Il a une grosse valeur sur le marché des transferts, donc voilà, si jamais il n'y avait pas du mieux. On pourrait y penser, on pourrait y penser, mais c'est encore hein, beaucoup, beaucoup trop tôt. Daniel Theis est lui aussi un peu plus effacé que l'an dernier où il était déjà un petit peu décevant. C'est au niveau de l'adresse, c'est pareil, il y a juste un peu moins de tirs que l'an dernier. Et puis ensuite, eh bien, Highland qui lui joue un petit peu plus. 3,2 points, 1 rebond, 0,6 passes. On a 45,8% au tir contre 39,4 l'an dernier, ça progresse. Et à 3 points, il est à 50%. Là aussi, il y a du mieux. Ensuite, eh bien, on a Gary Harris qui joue vraiment très peu au niveau de l'adresse. Hein, voilà, il y a trop peu de minutes pour que vraiment ce soit révélateur. Muscala joue très très peu lui aussi. Et Bol Bol, eh bien, je n'en parle pas. Je pense que pour Bol Bol, ça pourrait, devrait même repartir parce que. Ben, je vois pas vraiment ce qu'il peut apporter en l'état actuel des choses. Avant de se quitter, eh bien, au niveau de la strat, on est toujours en balanced passive pour cette saison. En défense, hein, je parle passive. Et au niveau de la rotation, eh bien, voici ma rotation préférentielle. Et je pense que c'est là-dessus qu'on va se quitter. Peut-être un dernier truc à voir. Voici la banque. Là, voici notre banque. On est pour l'instant, eh bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13e masse salariale de NBA. C'est vraiment très bien, hein, vu en ayant été meilleur bilan l'an dernier et une demi-finale de conf, être 13e masse salariale, c'est plutôt très très bien. On est
dans les bons clous. Après, voilà, on doit se maintenir pour garder de la flexibilité et pour être toujours performant sur le marché des trades. Eh bien, on va devoir rester vigilant et continuer à bien faire le travail. Bien écoutez, j'ai hâte de lire vos réflexions sur les choix que j'ai faits sur cette équipe qui, voilà, est encore hein, cette saison en développement, vous l'avez bien compris. Quant à moi, écoutez, je vous laisse, je vous remercie d'avoir suivi et donc je vous lirai et vous répondrai comme d'habitude en commentaire si ce n'est pas fait. Eh bien, pensez à vous abonner. Je vous laisse, à très vite, bye bye.